2022 a été une année de forte inflation. Par rapport à 2021, les prix ont grimpé d'au moins 10%. Nous n'avions plus connu d'inflation aussi vertigineuse depuis les années 80. Cette situation s'explique surtout par l'envol des prix à l'importation et cela conduit à un appauvrissement de notre économie. De gezinnen in België zijn goed beschermd tegen die hoge inflatie door de automatische aanpassing van de lonen en sociale uitkeringen. Al is die bescherming niet perfect, er zit wat vertraging op en sommige mensen krijgen te veel compensatie en anderen te weinig. De grootste last van de collectieve verarming is voor de overheid en de ondernemingen. Maar net als bij de gezinnen worden sommige bedrijven meer getroffen dan anderen. Sommige zijn bijvoorbeeld minder blootgesteld aan de stijgende energieprijzen en lonen. Of ze kunnen die extra kosten doorrekenen aan klanten. Maar andere bedrijven kunnen dat niet of veel minder. Notre économie a à nouveau démontré de la résilience face à un choc extérieur important. Elle a encore progressé de 3,1% en 2022. C'est un beau résultat, mais il est un peu biaisé par les effets de réouverture après la pandémie. Cette croissance a aussi permis la création d'environ 100 000 emplois supplémentaires. Pour le moment, on ne peut donc pas parler d'une répétition de la crise financière mondiale de 2008 ou de celle du Covid, qui ont eu des effets négatifs beaucoup plus importants. Ander positief nieuws komt er van de markt van het aardgas. Zoals je weet bouwt Rusland de gasaanvoer naar Europa af en wij krijgen nog maar een vijfde van voorheen binnen. Als gevolg daarvan waren de prijzen fors gestegen, maar intussen zijn ze alweer gezakt, ook omdat wij met z'n allen minder gas zijn gaan verbruiken. De totaalinflatie zal nu snel verder moeten afnemen. Les banques centrales et les pouvoirs publics doivent se mettre au travail. La mission de la BCE et des banques centrales est d'éviter que cette inflation élevée s'installe dans notre économie. Les banques centrales ne peuvent pas empêcher un choc d'offres comme l'explosion des prix du gaz, mais elles doivent veiller à ce que l'inflation revienne rapidement vers les 2%. Les taux devront donc encore augmenter. Les pouvoirs publics doivent maîtriser leurs dépenses et cela concerne tous les niveaux de pouvoir. C'est d'autant plus important maintenant que les taux augmentent. Alors l'État belge ne va pas tomber en faillite demain, mais nous avons absolument besoin d'un plan solide pour limiter l'endettement. Les pouvoirs publics peuvent aussi renforcer le potentiel de notre économie. Ten eerste hebben wij niet alleen een duurzame energievoorziening nodig, onze verbruik van fossiele brandstoffen moet ook omlaag. Daarvoor zijn de juiste prijsprikkels nodig. De oplossing is de effectieve uitvoering van de Europese Green Deal, die de EU tegen 2050 klimaatneutraal moet maken. Ten tweede moet de krappe arbeidsmarkt aangepakt worden. Alleen via hervormingen kunnen wij meer mensen aan de slag krijgen en zo een breder basis voor onze welvaart maken. Dat de arbeidsmarkt het zo goed doet, biedt daarvoor kansen. Ten derde moeten de overheden absoluut onze onderwijskwaliteit weer omhoog krijgen. Dat is zeer belangrijk om de welvaart van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen. Je voudrais finir par un appel important. Il ne faut pas que cette crise, qui touche les coûts, entraîne une dégradation durable de notre compétitivité. S'il devient structurellement plus cher de produire en Belgique que dans les pays voisins, cela pèsera à terme sur les investissements, l'emploi et la croissance. Nous risquons alors de payer deux fois la facture de la crise. C'est pourquoi nous devons suivre de près l'évolution de notre compétitivité.